et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Aujourd'hui, nous allons parler mode. Oui, j'ai décidé d'être mannequin pour vous et ça se passe maintenant. Ah, c'est Jean-Marc Benoît. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Je suis trop contente. Alors, on ne te présente plus. Hein. En fait, je vous présente Jean-Marc Benoît, qui est quand même un styliste créateur qui est très renommé en Guadeloupe, n'est-ce pas ? Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu fais ça ? Ça fait déjà, ça va faire 6-7 ans quand même, okay, que je suis revenu en Guadeloupe m'installer pour créer ma marque. D'accord. Voilà, JMB. Je fais tout ce qui est robes de cérémonie, les robes du soir, les robes de cocktail, les robes de mariée, essentiellement. Okay. J'adore ça. Okay. Et on voit aussi des choses un peu plus originales, on va dire, mais très très jolies. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir créateur ou styliste, tout simplement? Je pense que ça a été une évidence. J'ai grandi dans un univers où j'avais des grands-mères couturières, où j'ai toujours vu des tissus, des machines. Et ça a été une évidence que je sois créateur. Voilà, c'est venu tout seul. J'ai pas eu à chercher, à forcer, voilà. Et donc, en fait, ce ne sont pas que les personnalités qui peuvent venir et espérer être habillées par toi. Ça peut être une personne comme moi, par exemple, je suis mère au foyer et j'ai envie d'une très belle robe pour le nouvel an. Je peux aujourd'hui te contacter pour ça ? Mais bien sûr, j'habille tout le monde. J'habille vraiment tout le monde. Ça, c'est génial. Alors, petite question. Oui. Pas pour les hommes ? Pour le moment, non. Mais c'est à l'étude. Donc ça fait partie peut-être des projets. Quels sont tes projets justement à venir ? Alors j'ai eu pas mal de projets, ligne de prêt-à-porter, la prochaine collection qui ne devrait pas tarder pour ceux qui l'attendent, des participations à certaines fashion week, voilà. Ah ben oui, justement, j'ai entendu parler d'une fashion week qui aura lieu donc en Martinique, la première fashion week de la Caraïbe, je crois. Et donc tu vas y participer ? Alors j'envisage d'y participer. On m'en a parlé il y a un moment et finalement ça s'est concrétisé pour le mois de décembre. Donc on envisage. Ah ben super. Mais alors déjà, avant même d'arriver en Martinique, déjà toi parle-moi, comment je fais pour te contacter ? Alors pour me contacter, alors il y a les réseaux sociaux, une page Facebook, un site et un numéro de téléphone qui est le 0 590 48 51 59. Et voilà. Bon ben c'est nickel. Mais moi je vais quand même en profiter et je vais essayer une de tes créations. Ah ! T'es d'accord ? Ah ! Alors là, je vous dis sincèrement, je suis pleine d'émotions, je suis en compagnie de Steven Jean-Isamor. Bonjour Steven. Hello Raïssa. Alors, non mais présente-toi. Ah ben, je suis Steven Jean-Isamor, directeur et fondateur de l'agence de mannequins Yo Angel Models, basée aux Antilles, en Martinique plus précisément. Je suis spécialisée dans les mannequins noirs et métis, donc je révèle des perles des Antilles Guyane et que je lance à l'international et qui deviennent des tops. C'est un challenge fou que j'ai voulu mener puisque je trouvais qu'il y avait un manque de visage dans l'industrie. Et donc, étant noir, donc, quoi de plus naturel que de représenter les miens. Je veux prouver que les Antillais sont sérieux et arrivent à l'excellence à de haut niveau. Mais justement, donc, tu as un projet pour cette année 2019 dont beaucoup de personnes parlent. Et notamment, Jean-Marc Benoît nous en parlait. Il s'agissait de la première Fashion Week de la Caraïbe, c'est ça ? Qui va avoir lieu en fin d'année en Martinique. C'est bien une Fashion Week de la Caraïbe, mais on va dire la première Caribbean Fashion Week de la Martinique et des Antilles françaises. D'accord. Donc, parce qu'il en existe déjà dans les îles anglophones, okay, mais ce sera la première avec ce niveau d'exigence, ce niveau de line-up de designers venant des quatre coins du monde. On va se caler sur les standards internationaux. On a lancé l'appel à candidature, donc je suis venu lancer l'appel aux designers guadeloupéens pour qu'ils s'inscrivent, qu'ils se fassent recenser afin d'être présents dans le listing de cette mode internationale qui se tiendra du 1er au 8 décembre 2019. Donc j'espère que la compétition sera saine et sera belle parce que le but c'est de montrer chacun son talent, chacun sa griffe et challenger le groupe pour le sommet. Ouais.
Mais c'est génial. Alors, si aujourd'hui des designers aimeraient te contacter, comment ils font? Donc, vous nous suivez sur la page Caribbean Fashion Week Martinique, donc Instagram, Twitter, Facebook, et vous avez les formulaires d'inscription en ligne. Mais c'est génial, en tout cas, merci beaucoup Jean-Yves. Et est-ce que tu peux me parler du Walk Like a Lady? Est-ce que tu peux me montrer? Walk Like a Lady, c'est un super concept que j'ai vu naître sur le salon Madame. C'est un salon que j'aime énormément et dont je salue Cosette, qui est l'instigatrice de ce salon. Donc c'est un concept pour révéler la femme, qu'elle prenne possession de son corps, de toutes ses potentialités, et qu'elle maîtrise les talons aiguilles pour être une reine des podiums, une reine de sa carrière professionnelle, et qu'elle prenne possession, la parole en public, sans crainte. Mais super, donc soyez une reine et avec les conseils de Steven Jean-Yves Zamore. Et puis merci beaucoup à toi Steven. Thank you very much, merci Raïssa, je suis content que tu nous suives, que tu nous donnes ton énergie. Et puis ETV, c'est Icabano Bonfos. C'était bon. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous l'avais dit, on allait parler mode, j'allais jouer le mannequin. Et voilà, je joue le mannequin en compagnie de Steven Jean-Yves Zamore, et oui, qui est venu pour recruter, on va dire, des designers, créateurs, stylistes guadeloupéens. Et justement, on a rencontré Jean-Marc Benoît, donc de la marque JMB, à qui on fait un énorme coucou. Et moi, je vous dis merci de nous avoir suivis, continuez à nous suivre, et à très bientôt pour un autre ETV en commune. Steven, en marche. Ok, walk like a lady, babe.